Eh bien, nous allons commencer ce webinaire donc, qui est dédié à cette évolution, ce changement radical sur le B2B et qu'on a un peu sous-titré de façon provocatrice, oubliez vos sites web. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il faut que vous jetiez vos sites web. C'est simplement qu'il faut repenser la façon dont vous concevez des sites web pour les englober dans quelque chose de beaucoup plus large, qu'on va décrire tout à l'heure avec Bertrand, qui s'appelle l'expérience digitale. Alors, en anglais, on a des outils qui sous-tendent cela, et notamment IBEXA, qui est le nouveau nom pour ceux qui ne sauraient pas encore de Easy System, hein, qui s'est rebaptisé Digital Experience Platform. Donc, c'est ces nouveaux outils. Vous savez, dans le temps, on parlait des Content Management Systems dans le début des années 2000, des outils qui permettaient de gérer des contenus et de les publier. Mais aujourd'hui, l'expérience qui est demandée par les utilisateurs a tellement évolué par rapport à ces besoins-là qu'on a besoin de nouveaux outils qui sous-tendent ça. C'est plus que de nouveaux outils, hein, ce sont carrément des matrices justement à expérience digitale. On va voir avec Bertrand ce qu'il entend par cela. Alors, juste un peu une séquence pour le webinaire suivant. On vous remettra, Isabelle va nous mettre dans le chat le lien vers cette fiche d'inscription qui est ici. Je vais essayer d'enlever cette fenêtre qui m'embête. Voilà, le 26 mai 2020, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise ce webinaire. C'est une avant-première pour un événement qui est organisé par IBEXA. Alors, c'est comme tous les événements en ce moment, il se passera en ligne. On n'a pas trop le choix. Ça durera 3 heures, mais vous aurez la possibilité de vous insérer dans cet événement au moment où vous le voulez. Et vous aurez plusieurs salles Zoom qui vous seront proposées par IBEXA. Et alors, je vous invite à vous inscrire au track qui vous intéresse, hein, si vous n'êtes pas intéressé par les tracks qui sont plus produits, il y a trois parties qui sont à mon avis plus intéressantes pour les utilisateurs, les visiteurs occasionnels. Il y en aura un témoignage d'Essilor, puis un témoignage de la Fédération française de golf, et puis ensuite une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer donc ce 26 mai, pardon, à 9h30 jusqu'à 12h. Et comme je vous l'ai dit, on vous enverra tous les détails. Vous aurez la possibilité de vous pluguer soit à 10h30, soit à 11h, soit à 11h30, soit à 9h40 dès le début si vous le désirez. Voilà, Isabelle nous remettra ce lien vismktg.info/ibexa pour ceux qui désirent s'inscrire. Alors, je vous ai promis un cadeau. Voilà, vous aurez un livre blanc sur le Digital Experience Platforms. Voilà, comme il n'y a pas de repas gratuit, le livre blanc, on vous le distribuera à la fin de ce webinaire et vous pourrez le télécharger librement. Alors, on a prévu un format assez direct. C'est celui que je pratique depuis maintenant quelques semaines et que je trouve avec plutôt du succès. C'est qu'on fait des présentations qui restent assez courtes pour permettre un maximum d'échanges en ce moment où il y a tant de questions qui se posent ici et là. Et donc, en fait, au bout de 30 minutes, donc vers 9h30, nous ouvrirons les micros pour une séance de questions-réponses et puis on mettra également un petit sondage en ligne. Et puis à la fin, on vous donnera un livre blanc. Alors, pour cette petite présentation qu'on va essayer de faire courte et dense, 4 parties. D'abord, je vais revenir sur le rapport Forrester en quelques mots. Ce rapport qui, finalement, commence à dater un peu, il date de 2015. Death of a B2B Salesman, c'était le titre de Forrester et pas B2B2, qui finalement était une sorte de jeu de mots par rapport à une pièce de théâtre de Arthur Miller que vous connaissez peut-être, Death of a Salesman, et qui décrivait un monde assez révolutionnaire pour la vente en B2B, du moins aux États-Unis, hein, puisqu'il prédisait, ni plus ni moins, que 1 million de jobs dans la vente allaient disparaître d'ici 2020. Or,
Nous sommes en 2020, 5 ans. Donc, on va se poser la question avec Bertrand. Et là aussi, on va se donner 5 minutes de savoir ce qui s'est vraiment passé depuis 2015 et où on en est. Ensuite, on verra la réalité des enjeux du commerce B2B d'aujourd'hui et de demain. Et bien entendu, tout cela avec sous-tendu par l'importance du digital et comment le digital peut soutenir cette réalité et ce futur avec en plus une petite dose d'incertitude, hein, sinon ça serait pas marrant vu la situation qui nous arrive, mais qui finalement, c'est mon avis, je le partage, pense va faire que accentuer et comment dire accélérer des changements qu'on sent depuis des années. On va publier cet après-midi sur Visionary Marketing une interview de Maxime Baumard, le directeur marketing de iAdvise, qui m'expliquait hier que ça faisait des années, des années, des années qu'avec des gros clients, ils essayaient comment dire, de les convaincre de passer sur le chat en ligne. Des années, des années, des années. Et il ne se passait rien. Et les décisions sont prises en quelques heures pour mettre quasiment l'essentiel de leur relation client, puisqu'il y a même certains de ces clients qui ont coupé le mail pour aller sur de la relation client directe en ligne. Voilà, donc si on voit ça dans le domaine de la relation client, on peut aussi s'attendre à voir une accélération certaine dans le domaine de la vente, non seulement les plus difficiles de se rencontrer, mais il va être aussi quand même assez intéressant d'utiliser ces outils qui finalement qui existent depuis assez longtemps. Ce qu'on fait aujourd'hui, je le faisais déjà il y a 20 ans chez France Télécom, donc c'est vous dire qu'il y a un certain temps quand même pour que les technologies se mettent en place dans les entreprises. Alors, ce rapport de Andy Hoare, 2015, Death of a B2B Salesman, donc il nous prédisait le million de commerciaux B2B qui allaient disparaître et perdre leur job au profit, je le lis, du self-service e-commerce. Donc, aujourd'hui, on n'a pas véritablement vu ça. Qu'est-ce que c'est énorme, 1 million de commerciaux aux États-Unis. Pour vous donner une idée, c'est 4,5 millions de commerciaux qui existaient dans ce secteur en 2015. Donc, c'était ni plus ni moins que 25% de cette population. Alors, arriver à cette conclusion, Andy et toute l'équipe de Forrester ont conclué présenté quatre choses. J'ai fait ici un résumé. Je ne peux pas partager ce rapport avec vous, hein, ce n'est pas autorisé, mais j'ai fait une petite entorse au règlement. J'espère que mes amis de Forrester ne m'en voudront pas trop pour vous montrer le résumé de ce rapport d'avril 2015, hein, tout juste 4 ans, tout juste 5 ans, et qui tenait en 4 points. D'une part, les préférences des acheteurs avaient véritablement changé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis des années, et pour ceux qui font de l'inbound marketing et du content marketing, pour ma part depuis 25 ans, on le sait depuis longtemps. Ce qui change aujourd'hui, c'est la massification de ces changements de comportement. Et ce que citait Forrester, toujours avec un gros décalage entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, hein, comme toujours. Donc, on peut s'attendre à ce que ces chiffres-là, on les retrouve aujourd'hui chez nous. 93% de ces acheteurs B2B déclaraient préférer acheter en ligne quand ils avaient décidé. Alors, bien sûr, on ne va pas acheter en ligne, mettons, une nouvelle centrale nucléaire ou une nouvelle usine ou un service à 250 000 euros ou à 1 million d'euros chez Capgemini. Ça paraît logique. La vente en B2B, en même temps, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu ce qu'on peut reprocher à ce rapport. Et j'avais d'ailleurs fait tout un travail de benchmark là-dessus pour Cap il y a à peu près 3 ans dans leur journal digital. C'est que la vente en B2B, ça recouvre des réalités qui sont très diverses, qui vont depuis le marché de masse en B2B vers le bas de marché. Je prends un exemple, la vente de cartouches d'encre en ligne, par exemple, qui se fait, qui, où les décideurs sont directement
les acheteurs, et qui sont souvent les secrétaires, en fait, hein, ou les assistantes, et qui ont aussi un pouvoir d'achat qui est assez limité sur des produits comme cela, et immédiat. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation pour commander une cartouche, jusqu'à des produits de vente complexes, des services de vente complexes qui, eux, nécessitent une discussion. Alors, on continue sur ce rapport. Le reproche de Forrester était de dire que oui, mais bon, ces modèles de vente en B2B restaient essentiellement physiques et centrés donc sur finalement des méthodes traditionnelles et assez anciennes. Il reprochait aussi aux entreprises du B2B de ne pas être assez lancées dans le e-commerce. Leur chiffre, c'était 25% des entreprises en B2B qui vendaient en ligne. Encore une fois, dans la perspective de ce que j'ai décrit juste avant, ce n'est pas forcément idiot, en sachant que le B2B lui-même est quelque chose de difficile à quantifier. Je vous invite à chercher les statistiques. Bon amusement et bon courage, parce qu'en fait, tout bêtement, le B2B, considéré comme les biens et les services intermédiaires, ne compte pas dans les mesures du PIB, donc on ne le mesure pas. On peut simplement l'évaluer à peu près un tiers de l'économie, mais c'est une évaluation et qui n'engage que celui qui la donne, puisque en fait on ne le mesure pas. Mais c'est forcément, on sent, je dirais, de manière intuitive que le B2B est important, mais c'est très difficile à calculer. Donc 25% des entreprises en B2B qui vendent en ligne, si on se réfère à cette grande variété de société et de mode de vente, hein, finalement, c'est pas mal, hein, c'est, commence déjà à être significatif, et ça correspond, pour mon expérience personnelle, à force de discuter avec des amis, des collègues, des confrères qui fournissent des sites e-commerce sur le terrain, à peu près à la réalité de ce qu'on voit en France aujourd'hui, à peu près 25% des sites qui sont réalisés sont pour des entreprises en business to business. Voilà. Ceci étant, quand même, le commercial n'est pas complètement mort, parce que là où il y a besoin de faire de la vente complexe, de faire de la négociation, de faire aussi d'aller discuter autour du service, de la prévente, où il y a une valeur ajoutée qui est très forte. Donc forcément, plus on va monter dans le haut de marché B2B, plus il va y avoir une valeur de marché, une valeur importante, plus on va avoir une nécessité de parler à une personne humaine, ce qui ne veut pas dire, et j'en reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure de mon interview avec Maxime, qui lui finalement parlait du B2C essentiellement, il nous parlait de Decathlon, il nous parlait de cette entreprise comme ça, mais ça n'empêche qu'en B2B, si on a plus de difficultés à se voir et que d'autre part, on finit par trouver, et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont réalisé cela les dernières semaines, que finalement les modes de travail en ligne étaient aussi assez pratiques et aussi assez économiques, le mode d'interaction directe par le digital est aussi une transformation du métier du B2B dans le haut de marché qui, à mon avis, va être intéressante en dehors de simplement du e-commerce. Voilà. Et puis, ce que recommande, et c'est le dernier point, Forrester, c'est d'automatiser ce processus de vente avec des services, du service 24/24 sur 7, de la prise de vente, de faire évoluer en fait ce qu'on appelle les inside sales pour les mettre sur le digital. De personnaliser des algorithmes pour pouvoir améliorer les recommandations produits et apporter plus d'informations à ces fameux acheteurs qui préfèrent acheter en ligne et qui préfèrent se débrouiller tout seuls, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Améliorer aussi la transaction et les contrats qui n'a pas été, ennuyé par ces contrats à signer en ligne, alors qu'en fait, on peut faire tout digitalement depuis déjà des années, et maintenant beaucoup mieux encore avec des solutions de signature en ligne, que ce soit chez Adobe ou chez DocuSign ou ailleurs. Moi qui signe souvent des contrats, maintenant, ils sont quasiment tous devenus
par la force des choses électroniques, mais ça fait longtemps qu'on peut faire ça. Des outils d'optimisation des prix. Le chat, on en a parlé avec iAdvise, ils sont essentiellement orientés sur le B2C, mais je ne vois pas pourquoi. Parce que le B2B pourrait très bien servir aussi dans ce domaine. On l'a vu dans le domaine du conseil juridique, par exemple. Le conseil juridique se développe beaucoup en ligne et commence d'ailleurs à disrupter ces professions-là. On peut très bien voir arriver ce genre de service. Hein, ça existe d'ailleurs déjà. Wengo fait ça depuis longtemps dans le conseil, par exemple, mais c'est quand même assez anecdotique. Et pourquoi ne pas imaginer dans le futur avoir des outils de conseil qui permettent à des consultants de parler à des populations beaucoup, beaucoup plus larges sans jamais quitter leur bureau et de donner peut-être d'autres formes de conseils, peut-être un peu plus des conseils plus rapides, plus directs, plus faciles à mettre en œuvre et de manière entièrement en ligne, même sans pour autant l'automatiser. Voilà. Et puis, bien entendu, tout ce qui est prospection, inbound marketing. Et là, depuis 2015, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, notamment autour de l'inbound, parce qu'en B2B, je dirais là, clairement, on voit deux choses qui se développent. D'une part, la systématisation de l'inbound marketing et l'automatisation, d'ailleurs, parfois à outrance, dans le bas de marché. Et puis, côté haut de marché, le développement spectaculaire de l'ABM, Account-Based Marketing, qui n'est pas forcément une technique très nouvelle, puisqu'elle date du début des années 2000, a été inventée en 2002 par Accenture. Et beaucoup, ça a été mon cas, en ont fait, comme Monsieur Jourdain, sans savoir comment ça s'appelait pendant des années. Et puis aujourd'hui, l'ABM est en train de s'imposer comme la vraie technique je dirais, de remplacement ou plutôt de superposition à l'inbound marketing dans le haut de marché B2B. Donc, en conclusion, quatre points de résumé de ce rapport qui montrait une reconfiguration totale. Hein, je ne vais pas parler encore à nouveau de révolution parce que je n'aime pas ce terme. Reconfiguration totale du domaine B2B. Et là, c'est la deuxième partie. Nous allons voir avec Bertrand quels sont comment dire, les points qui se sont avérés et puis ceux qui se sont révélés peut-être moins justes. Je vais arrêter mon partage pour qu'on voit bien Bertrand. Merci Yann. Non, mais tu as déjà parlé beaucoup de points qui sont déjà. Tu as déjà adressé quelques solutions. Donc, non, ce qui s'est vraiment passé, effectivement, c'était le million de salespeople ou de vendeurs dans le B2B n'ont pas disparu, très clairement. C'est dur d'avoir les chiffres, d'ailleurs, hein, du nombre de vendeurs dans le B2B dans le monde. Comme tu dis, c'est un domaine qui n'est pas forcément évident à estimer, mais j'ai trouvé les chiffres de 2018. Donc, il y en avait 4,5 millions aux États-Unis en 2015, donc au moment de ce rapport, et ils étaient à 5,7 millions. Donc, ça a même augmenté le nombre de vendeurs B2B. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se poser la question entre ce constat en 2015 qu'il y a un fossé qui grandit finalement. Rapidement, peut-être, c'est là que nous, chez IBEXA, on va vouloir se positionner. On veut résoudre ce problème-là dans la transformation numérique du B2B. C'est exactement ça, le décalage, le fossé qui se creuse et qui s'accélère entre la manière traditionnelle de vendre. D'ailleurs, dans ce rapport, il fait un peu un cliché du salesman. Il parle des rendez-vous au golf où on rencontre son fournisseur tous les derniers vendredis de chaque mois. Enfin, voilà, c'est un peu le cliché de la vente B2B d'il y a 20 ou 30 ans. Mais en tout cas, la manière traditionnelle de vendre, la grande majorité des entreprises B2B vendent encore de manière traditionnelle avec leurs commerciaux sur le terrain, dans des cycles de vente qui sont suffisamment longs et complexes, des négociations contractuelles, commerciales, juridiques. Donc ça c'est un fait. Et là, encore une fois, la grande majorité des entreprises sont dans cette situation aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, donc c'était un petit peu la sonnette d'alarme, un peu provocatrice
de Andy Orr qui disait ben voilà, les comportements et les attentes côté achat sont en train de changer. Et le comportement principal qui a changé, c'est ce côté je fais mon shopping. C'est-à-dire, je n'ai plus qu'un seul fournisseur, celui que je vais rencontrer au golf, comme il disait, mais je fais mon shopping, je vais être un peu plus opportuniste, chercher des pièces, des services sur des places de marché, notamment les marketplaces B2B qui sont en forte croissance. Et puis, je veux placer l'expérience, et c'est là où on va certainement y revenir, l'expérience au cœur de mon process d'achat. Là aussi, il y a beaucoup de rapports qui sortent sur la valorisation, derrière les préférences des acheteurs sur une expérience d'achat fluide par rapport à une problématique simplement de prix. Et puis, tout ça, bien entendu, influencé par leurs expériences personnelles dans le B2C et puis par l'influence des nouvelles générations. Donc voilà, il y a ce fossé qui se creuse. Il était annoncé en 2015. Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme Andy Orr l'avait suggéré ou en tout cas prédit. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui ont été sous-estimées par ce rapport-là. Alors après, encore une fois, hein, ces rapports ont aussi la volonté d'être provocateurs et de secouer un petit peu les industries, mais je pense qu'il y a deux choses qui ont été sous-estimées. La première, c'est qu'il y a une sorte de raccourci en disant que la transformation numérique des entreprises B2B, bah, c'est transformer seulement leur process de vente. Or, ce qui s'est passé dans ces cinq dernières années, c'est que les entreprises B2B ont investi énormément dans leur transformation numérique, mais elles ont investi beaucoup sur leur cœur de métier pour tout simplement produire plus à moindre coût, pour être sur des problématiques d'efficacité, de marge. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de l'industrie. Hein. On est à l'heure de l'industrie 4.0. Il y a des investissements énormes qui ont été faits sur les smart factories, ces usines connectées, pour encore une fois produire de manière plus automatisée et à moindre coût. Donc, je pense que si on est une entreprise du B2B en 2015 qui continue de vendre et qui a des ventes qui continuent de progresser, bah c'est normal, je pense qu'on priorise peut-être ces investissements sur du cœur de métier, l'exemple de ces usines, et pas seulement la partie vente. Donc ça, c'est un premier constat, je pense que c'est important. La deuxième partie, je pense que Andy Orr, ou en tout cas Forrester, sous-estimait la capacité des entreprises à transformer ce salesman, à transformer leur force commerciale. On n'est plus aujourd'hui, et nous on l'a vraiment vu, hein, je ne sais pas toi Yann, de ton côté, si tu as remarqué un changement des équipes commerciales, mais on voit très bien aujourd'hui que le commercial B2B, donc on est dans le métier du logiciel pour entreprise, pour grand compte, il va au-delà de la prise de rendez-vous et de signer un contrat. Il a dû se réinventer, c'est plus un conseiller qui connaît beaucoup mieux ses offres, qui connaît beaucoup mieux qui comprend beaucoup mieux les besoins clients, et il intervient plus tard dans le cycle de vente. Donc, il n'est pas disparu, ce salesman, mais il a plongé dans le sales funnel, si je peux dire ça comme ça. Il est plus loin dans le cycle de vente et il apporte une plus grande valeur ajoutée. C'est un conseiller, il doit travailler beaucoup sur la confiance, sur la compréhension des besoins. Et en parallèle de ça, puisque lui, il a plongé dans le funnel, et tu le disais, Yann, sur le haut du funnel, c'est le digital marketing qui a pris le relais. Donc, dans les cinq dernières années, là aussi, c'est un constat. Tu as cité quelques outils marketing, mais le dialogue, la prise de dialogue avec les prospects ou avec les clients se fait de manière digitale. Alors, soit via la capture, via le chat, mais si on prend la marketing automation dans le B2B, j'ai regardé les chiffres de 2020, le marché de la marketing automation était à 1,8 million de dollars en 2015 et il est passé à 7,2 milliards de dollars en 2020. Donc, tout ça prouve bien que la première partie du dialogue avec les prospects et avec les clients, c'est maintenant digitalisé. Le salesman, pour reprendre encore une fois le terme employé par Andy Orr, intervient plus tard sur des discussions à plus grande valeur ajoutée et il a évolué et il s'est transformé. Donc,
pour conclure, je pense qu'il y a eu une surestimation de l'e-commerce en disant vendre d'une nouvelle, transformer sa manière de vendre, c'est systématiquement de l'e-commerce et du self-service e-commerce. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils utilisent comme terme exact dans le rapport. Et sous-estimer l'engagement, la notion d'engagement qui est passée par du digital marketing et par une transformation de ces équipes commerciales qui apportent aujourd'hui une plus grande valeur ajoutée. Donc, en tout cas, moi, c'est je pense, ma vision de ce qui s'est passé entre 2015 et 2020. Merci Bertrand. Je rajouterais, je dirais, pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à comment j'ai vu évoluer le monde commercial sur le terrain, je crois qu'effectivement, Indiron avait bien vu cet aspect du commercial qui devient, chez Cisco, on parlait de trusted advisor, le conseiller de confiance. C'est pas véritablement nouveau. Les champions de la vente en B2B, les Cisco, les Microsoft, les IBM, là, je vois notre ami Loïc Simon qui nous rejoint, connaissent tout cela par cœur. Donc, c'est des méthodes d'ailleurs qui sont assez anciennes, qui remontent aux années 80. Avec Michael Bosworth, hein, c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, solution selling, value selling, etc., etc. Tous les grands experts de la vente connaissent tout ça. Mais ce qui était, je dirais, une sorte de technique avancée pour vendeurs d'élite est devenu quelque chose de plus banal et qui s'est répandu partout. Au moins, je dirais, dans le milieu et haut de marché B2B. C'est-à-dire qu'en fait, les commerciaux, d'ailleurs, Loïc connaît ça bien, puisqu'il anime le Social Selling Forum, et il sait que tous les commerciaux sont face à ce dilemme qui les oblige à changer, comme tu dis, devenir des fournisseurs de solutions, des fournisseurs de produits, à devenir des fournisseurs de solutions, mais qui deviennent aussi des consultants, des trusted advisors. Mmh. Et ça, c'est pas quelque chose qui est simple, qui s'est imposé tout seul. Ils ont tous compris ça. Je pense qu'ils ont tous compris ça. Et tout le monde s'est mis un peu à courir comme des poulets sans tête. On a vu, notamment chez certains éditeurs de logiciels que je ne nommerai pas par pudeur, on leur a collé un objectif sur leur Social Selling Index, hein, qui est une espèce de gimmick inventé par LinkedIn. En gros, je vais la faire courte. Si on publie comme un fou toute la journée, et qu'on clique partout, et bien du coup on vient avoir un super social selling index. Mais en fait, il y a eu l'équipe a un peu perdu de vue l'objectif, elle redoubla d'efforts. Et donc du coup on n'a pas vraiment dans ces 5 dernières années trouvé la véritable solution pour faire évoluer de façon uniforme ces forces de vente vers le haut, mais c'est dans un sens un peu normal aussi, ça ne va pas arriver tout de suite. Ensuite, je pense que là où Indiror s'est planté, c'est qu'en fait, le B2B, en fait, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Il y a une myriade de différences entre le bas de marché, les produits et les marchés de masse en B2B, et les marchés qui sont des marchés individuels ou des marchés... Et puis après, de plus en plus haut de gamme sur les ventes très complexes. Je ne parle même plus de ventes complexes, je parle de ventes très complexes comme celles sur lesquelles j'ai pu travailler des fois avec des marchés de 1 milliard d'euros avec 150 ou 200 décideurs. Enfin, c'est des choses énormes. Et quel que soit le marché, je pense que le changement… Il y a quand même eu une évolution. Même si tu dis le solution selling, ça existe depuis des années et des années. Le constat qui s'est présenté aux commerciaux eux-mêmes, je ne pense pas que ça vienne forcément du management des entreprises qui, ces 5 dernières années, se sont dit il faut que… Il y a ça aussi. Hein, ils ont vraiment mis des initiatives en place dans leurs entreprises pour faire évoluer leur force commerciale et les rendre plus expertes. Mais le commercial lui-même se rend compte, de par la quantité d'informations aujourd'hui disponibles, quand le prospect rentre en contact avec le commercial, il a déjà lu des rapports
sur la solution. Il a vu des comparateurs, des calculateurs, il a vu des forums qui parlent de ses produits. Donc, je pense que le commercial lui-même s'est confronté à un acheteur qui en connaissait parfois plus que lui sur ses propres offres. Oui. Et ça, bah, ça, c'est un sacré piqûre de rappel qu'il faut qu'il travaille sur son produit, sur les services, quelle que soit la complexité d'ailleurs du produit ou des services qu'ils vendent dans leur domaine. C'est une prise de conscience de tout, je pense, de toute la force du métier de commercial qui fait qu'il s'est spécialisé, il devient plus expert, il essaye de devenir trusted advisor. Peut-être qu'avant 2015, on avait les premiers de la classe, c'était des trusted advisors, mais les autres. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il n'y a plus le choix parce que le client, le prospect, en connaît énormément sur ce produit-là. Donc, le bon profil, j'ai vu passer une question du. En tout cas, nous, dans notre métier du commercial, c'est un commercial qui, voilà, c'est pas j'ai un logiciel, il est bleu, vert, rouge, il coûte tant et achetez-le avant telle date. Il faut vraiment comprendre le produit. D'ailleurs, il y a des profils mixtes qui sont très intéressants. On voit dans notre métier souvent des gens qui ont un profil technique, mais qui ont cette capacité à pouvoir expliquer la technologie. C'est des très, très bons profils puisque ils vont pouvoir se mettre dans la peau du client et comprendre le besoin davantage que peut-être il y a quelques années. Donc, tout ça, c'est intéressant et c'est un changement qui continue d'évoluer. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant oui. Pour les prochaines années. Alors, on va y répondre incessamment, mais je vois énormément de questions. Donc, si tu es d'accord, on va s'interrompre pour répondre aux questions parce que je crois que c'est très intéressant. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, Isabelle. Note tout scrupuleusement et nous n'en manquons aucune. Alors, déjà, j'ai répondu à une question qu'il y avait sur Facebook parce qu'on est en même temps en live sur Facebook et Ludovic Salen m'a posé la question de savoir où on trouvait le rapport Forrester. Je viens de vous mettre le lien sur deux choses. Un, le rapport lui-même. Bon, à l'époque, il valait 500 euros. Je ne sais pas s'il est encore payant. Et de l'autre côté, un lien vers un podcast avec Andy Orr qui refait un retour sur ce rapport 2 ans après. Alors, après, je prends une question de Michael. Bertrand, quand vous dites que les marketplaces B2B sont en forte croissance, vous pensez auxquelles ? Quelle part de marché détiennent-elles aujourd'hui ? Alors, j'ai pas la prétention de connaître les parts de marché de toutes les marketplaces, mais Amazon B2B, Amazon Business, j'en parlais encore hier avec un client scandinave qui est dans le gel hydroalcoolique, qui est le leader, qui a le monopole en Scandinavie, qui pense à changer leur modèle de vente et le premier réflexe, c'est d'aller se mettre sur la marketplace Amazon et de positionner ses produits là-bas. Donc, c'est un exemple, mais il y a pas mal de marketplaces spécialisées dans les différentes niches de marché. Donc, c'est vraiment un constat plus général que spécifique sur une ou une place de marché. Non, c'est certain. C'est un sujet qu'on avait traité beaucoup l'année dernière avec e-révolution sur le choix entre e-commerce en propre ou e-commerce au travers des places de marché. Aujourd'hui, la question dans beaucoup de domaines ne se pose malheureusement plus beaucoup. Vous avez même des outils qui sont pas mal répandus. Je pensais à un petit français pour les encourager. Shopping Flow, par exemple, qui permet de gérer soi-même depuis son inventaire un inventaire de produits et de le diffuser sur tous les marketplaces qu'on veut possible et imaginable. Donc, c'est des outils qui se développent pas mal. Et ça, c'est très intéressant si on peut en parler aussi dans la oui. prochaine partie sur quelle est la bonne stratégie. C'est canaux de vente internes, c'est-à-dire construire ses propres canaux de vente et puis les canaux de vente externes type marketplace. Quelle est la bonne approche? Quel est le bon équilibre? Comment y aller? Dans quelles étapes? C'est un vrai dilemme. C'est une question qu'on retrouve de manière très fréquente chez nos clients. Oui. Alors ensuite, on a une question, mais je ne la comprends pas bien précisément. C'est petite précision, 1,8 million ou 1,8 milliard de dollars à 7,2 milliards. Milliards. Le marché du marché, c'est juste en anglais, c'est billion. Alors j'ai peut-être...
C'est des milliards de dollars. Et Voilà. c'est là, dans la partie B2B, c'est-à-dire c'est le marché des plateformes de marketing automation dans le B2B. Ce volume de transactions de plateforme logicielle était d'1,8 milliard en 2015 et il est à 7,2 milliards en 2020. Et c'est des chiffres US, Amérique, États-Unis. Alors, Michael nous demande comment le monde commercial évolue-t-il, en particulier sur la première prise de contact avec le prospect? Oui, donc c'est ce qu'on. Bah, tu en parlais aussi, Yann, mais je peux répondre. Il y a deux aspects. Il y a la partie capture. Donc tout ça part du contenu, finalement, de l'engagement, du digital marketing, où on va vouloir générer un intérêt et de l'engagement autour de sa marque, de ses marques, et capturer via des outils type marketing automation, formulaire, chat, capturer un intérêt d'un prospect. Et donc là, il y a plusieurs options, mais ce qui se passe de manière le plus fréquente, c'est que c'est la partie marketing, le digital marketing, qui va continuer le dialogue, en tout cas dans le B2B, hein, où on a des cycles de vente qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Hein, donc, c'est vraiment des cycles de vente qui sont longs. Donc, plutôt que de connecter un vendeur très, très rapidement sur un intérêt qui est vraiment du haut du funnel, on va pouvoir créer un dialogue qui va être soit des emails, soit du SMS, soit d'une expérience personnalisée. La prochaine fois que cette personne va revenir, grâce à des technologies de personnalisation, on va pouvoir créer un dialogue numérique avec cette personne jusqu'au moment où on a un intérêt, un signal qui est plus, on va dire, commercial. Et dans ce cas-là, on va pouvoir connecter cet intérêt-là avec un vendeur qui peut être soit un vendeur inside, c'est-à-dire qui est plus dans la qualification de l'intérêt de la personne, soit directement avec un commercial, donc ce fameux salesman qui aujourd'hui peut apporter beaucoup de valeur ajoutée et guider, qui va jouer le rôle de guide dans les prochaines étapes du cycle de vente. Donc, en tout cas, c'est le cas principal que nous, on retrouve beaucoup, où le marketing, le digital marketing et notamment l'automation prend la main. Plus ou moins vite, on donne la main au commercial. Oui. Pour ma part, je vais peut-être répondre un peu à Michael, mais il ne va pas être très surpris. Je pense que ça fait 25 ans qu'on le répète, donc on a l'impression, moi j'ai l'impression en fait de voir le résultat aujourd'hui de 25 ans d'évangélisation autour du contenu. Jusqu'ici, alors au début, c'était quelque chose de bizarre. Les réflexions qu'on avait, c'est, mais quand même, on n'est pas le Figaro, quoi. Ce qui est vrai d'ailleurs, on n'est pas le Figaro. Du coup, finalement, c'est quand même rentré plus ou moins dans les mœurs. Et ce que j'ai vu, c'est au fur et à mesure des entreprises, notamment en B2B, qui n'ont pas finalement pas tellement le choix, parce qu'elles n'ont pas les moyens, pour la plupart, de faire de la publicité de façon satisfaisante. Or, pour construire des marques en dehors de la publicité, qu'est-ce que je vais avoir? Le contenu, si je ne suis pas assez riche. Donc, oui, mais alors. C'est là que le bât blesse. C'est que il a fallu créer donc du contenu. Donc ce qui était devenu, ce qui était comment dire, facultatif et optionnel, ah bah oui, ce serait vachement sympa si on avait un peu de contenu, est devenu obligatoire. Bon, maintenant il faut qu'on ait du contenu, du contenu, du contenu. Et les entreprises, notamment j'en ai vu quelques-unes sur le terrain, se sont pas mal lancées là-dedans et sont devenues ce que j'appelle des content zombies, c'est-à-dire ils sont produits du contenu, mais en gros, l'équipe, encore une fois, ayant perdu de vue l'objectif, redoubla d'efforts. On a produit, 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 mais on ne savait plus pourquoi. Or, ce qui devait arriver arriva. C'est arrivé sur Internet, mais c'est arrivé avant Internet, bien avant. C'est ce que Michael Schaeffer a appelé le content shock, c'est-à-dire qu'en gros, le contenu qui n'était pas très intéressant est resté dans le fond du panier et tout le monde a regardé en se disant, bah, tiens, c'est bizarre, mais ça marche pas. En fait, c'est pas que le contenu marchait pas, c'est que pour que ça fonctionne,
Il faut, et pour qu'on réponde à l'évolution de ces acheteurs B2B qui recherchent de l'information, qui recherchent des trusted advisors, eh bien, il faut être capable de créer un contenu qui sorte du lot et qui apporte une véritable valeur. Donc, c'est-à-dire véritablement sortir de son produit, être dans le conseil, faire des choses qui sont pas faciles à faire, hein, toujours en naviguant entre des sujets qui se rapportent à ce qu'on vend, parce que si on raconte n'importe quoi, ça n'a pas d'intérêt non plus, mais qui en même temps s'en éloignent suffisamment pour être intéressants et informatifs. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de le découvrir sur le terrain avec des méthodes comme l'ABM, qui ont renversé la logique du content marketing. Le content marketing, en fait, c'est la même chose, mais penser un peu différemment. Au lieu de produire un contenu et d'en attendre des résultats en faisant rentrer les gens dans un entonnoir mécanique, qui finalement ne marchait pas toujours, eh bien, on s'est aperçu que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Finalement, le gars qui va jouer au golf, il n'est peut-être pas idiot. Et il n'est peut-être pas idiot, mais si en plus il est capable de jouer sur les deux tableaux, de jouer sur le digital, sur les contenus, et d'avoir des contenus qu'il va pouvoir réutiliser en différents endroits sur le digital, mais aussi en dehors du digital, eh bien il va pouvoir, comment dire, personnaliser ses contenus de façon à aller, enfin c'est pas lui qui va le faire d'ailleurs, c'est des équipes mixtes, marketing et commercial, qui vont pouvoir le faire pour aller approcher des gens de manière personnalisée. Et tu parles de contenu, Yann, je suis obligé de rebondir, si tu me permets, sur ça, puisque c'est un des changements. D'ailleurs, on vient du contenu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ibexa, c'est l'ancien nom d'Easy. Donc, Easy qui a 20 ans. Et notre métier, il y a 15 ans, moi, ça fait 16 ans que je suis chez Ibexa, c'était de créer du contenu. On a travaillé avec tous les grands médias, on travaille pour Financial Times, pour The Economist. Donc, on vient de ce monde de contenu. Et aujourd'hui, on est sur le monde de l'expérience. Donc, c'est quoi la différence? Parce que c'est exactement ce dont tu parles, créer du bon contenu sur le bon canal pour la bonne personne. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin que ça. Il faut créer une expérience qui va être unifiée. Parce qu'un des soucis qui se passe, notamment dans le B2B, c'est qu'on crée du contenu. Et puis ensuite, le process de vente ou d'achat, pour de l'autre côté, il est cassé avec ce contenu-là. On a deux silos qui ont été construits avec, d'un côté, les équipes marketing, et de l'autre côté, on avait le transactionnel, s'il existait, ou des équipes commerciales. Aujourd'hui, la vocation d'une plateforme d'expérience, donc chez Ibexa, et nous, encore une fois, on a la chance de travailler avec des grands comptes, Crédit Agricole, le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne, on travaille chez Seva Santé Animale, chez Atlantique, qui fait beaucoup de B2B, chez Lidl, en Allemagne, dans 30 pays. Donc, on est impliqué sur des process de transformation où on va pouvoir allier le contenu. Donc, c'est vraiment la gestion de la marque, gestion du contenu, mais aussi pouvoir, jusqu'à l'achat, marier ce contenu avec l'expérience commerciale. Et c'est tout le but d'une plateforme d'expérience par rapport au vieux CMS, entre guillemets, comme tu présentais en introduction, Yann, qui la vocation du CMS était de publier un article en ligne et créer un site web. Aujourd'hui, il faut que les entreprises puissent gérer une marque, mais plusieurs marques, donc faire du multimarque. On a des usines à sites aujourd'hui pour créer un grand nombre de marques, gérer sa stratégie de contenu, la marier avec tout le tunnel d'achat finalement jusqu'à une potentielle transaction, mais aussi l'après-vente. Donc, c'est la place du contenu finalement qui est en train de changer. Faire du contenu, comme tu dis, on l'a répété depuis des années et des années, mais le marier dans une expérience unifiée et personnalisée, parce qu'on a aussi de la personnalisation dans une plateforme d'expérience, on va pouvoir répondre aux attentes de cet acheteur B2B qui, lui, va privilégier quelque chose qui va vite, quelque chose qui est fluide, quelque chose qui lui rappelle ses expériences personnelles du B2C et qui, finalement, va lui permettre de, on va permettre de fidéliser le client grâce à ça, quoi. Donc ça, je pense que c'est très important de comprendre cette notion d'expérience par rapport aux problématiques de contenu qu'on avait et que tu décrivais, Yann. Je ne sais pas si j'étais clair sur ce côté d'expérience et marier le contenu et unifier grâce à une digital experience platform comme la nôtre, par exemple. Oui, je pense qu'on pourra, d'ailleurs, je proposerai un petit sondage tout à l'heure.
mon avis, il y a la place pour un autre webinaire sur cette notion d'expérience. Et d'ailleurs, je pense que ce serait peut-être assez aussi intéressant de revenir sur ce qu'est exactement une expérience et qu'est-ce qui fait qu'elle est réussie et du point de vue du client, bien entendu. Et quels sont les critères de succès? Alors, je vais accélérer sur les questions parce qu'il nous reste 13 minutes et on a plein de questions. C'est très excitant. Alors, j'ai Jean-Éric. Entre-temps, on se partage plein de conseils de bouquins entre Loïc Simon, Rémi qui nous a recommandé un bouquin aussi. Voilà, je vous laisse prendre les notes. Et justement, je rebondis sur ça pour... ou citer la question de Jean-Éric, quel est le profil du commercial B2B de demain, voire celui du manager de force de vente? Quelles compétences acquérir pour s'adapter au changement? J'ai touché deux mots, je peux donner en tout cas une réponse. En tout cas, nous, quand on fait des entretiens d'embauche, honnêtement, ce n'est pas le profil commercial pur qui m'intéresse. C'est vraiment la capacité de vraiment pouvoir se plonger dans l'offre, comprendre les besoins du client. Un profil qui va être plus expert, plus proche de... Dans notre cas, on fait du logiciel, de comprendre la technologie, pouvoir l'expliquer. Et cette capacité, je le dis souvent d'ailleurs aux équipes chez Ibexa, la capacité à se placer de l'autre côté de la table et à comprendre les besoins. C'est des choses... peut-être très basique et on a déjà entendu ça plein de fois, mais c'est au-delà c'est vraiment pouvoir creuser sur la solution qu'on propose et pas seulement les interactions de vente classiques, quoi. Merci Bertrand. On va passer à la question suivante de Nathalie de HP. Qui nous dit la limitation de la transformation de la vente des PME B2B n'est-elle pas d'être bien accompagnée dans cette transformation, de savoir à qui s'adresser parmi la pléthore de consultants et de fournisseurs de solutions? Certainement. C'est vrai que nous, on travaille avec des partenaires, donc nous, on fournit la plateforme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour aller, est-ce qu'on doit, aujourd'hui, si je suis une entreprise B2B, et notamment les PME, et que je vends un service ou un produit, déjà la première question, c'est quelle est la performance de mes ventes? Je pense que c'est la première question. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça croît ou est-ce que ça descend? Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir, et là, il y a plein d'entreprises de conseil, nos partenaires ou d'autres qui peuvent effectivement accompagner à faire les bons choix. Mais je pense qu'il y a quelques bonnes pratiques, c'est notamment sur la notion de marque. Je peux juste y passer deux minutes pour donner un exemple. Par exemple, on parle de est-ce qu'on doit créer son propre canal ou aller sur une marketplace B2B, par exemple. Si je vends un produit X, et que je veux diversifier ma manière de vendre, puisqu'il faut diversifier sa manière de vendre, parce que les acheteurs, eux, diversifient leur manière d'acheter. Donc, si on ne se diversifie pas, on risque de ne pas être pérenne dans le futur. Être sur une marketplace, par exemple, c'est très bien. On va pouvoir exposer son produit dans un marché et exposer son produit peut-être aux bons acheteurs. Par contre, sa marque, si on n'est pas un leader du marché, ça va être une problématique de prix. Et la marque qui gagne sur une marketplace, ce n'est pas la marque des produits, c'est la marque de la marketplace. Donc, en fonction de la force de sa marque, en fonction de sa position sur le marché, en fonction de la performance de mes ventes, vous comprenez bien que l'intérêt d'aller soit sur un canal externe de cette manière ou alors travailler sur sa propre marque, avec développer son propre contenu, son propre canal de vente, c'est un enjeu qui n'est pas le même pour toutes les entreprises. Et jusqu'où aller? C'est-à-dire, si je choisis d'aller sur mon propre canal de vente, est-ce que je suis obligé d'aller sur le tout e-commerce ou est-ce que je peux commencer à implémenter, basé sur du contenu, basé sur de l'engagement, basé sur de la personnalisation, un canal de vente ou un tunnel d'achat qui peut aller jusqu'à de la cotation, qui peut aller sur la demande d'offres, qui peut aller jusqu'à de la... Voilà, on peut prendre une étape, on peut faire ça par étape et de manière progressive, et effectivement
Je pense que cet exemple-là montre qu'être bien accompagné et avec les bonnes personnes autour de soi pour y aller de manière progressive et tester des choses, ça, c'est clé, effectivement. Et l'exemple de ce rapport de Andy Orr qui dit, si vous voulez survivre, vous allez perdre vos commerciaux, allez sur du self-service e-commerce, prouve bien que ce n'est pas la solution unique au problème. Donc oui, très clairement, bien s'accompagner d'un point de vue technologie, d'un point de vue conseil est clé. Et allez-y en explorant de manière agile, en testant des choses. Il n'y a pas une seule recette miracle, malheureusement, mais il faut y aller de manière progressive. Et on pourra peut-être y revenir aussi dans un autre webinaire. Je conseille un article que j'ai écrit pour Survey Magazine qui s'appelle Guide de survie pour les marketeurs dans la jungle de la Martech. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 7000 solutions de marketing qui existent sur le marché, marketing et vente. 7000 solutions. Voilà, ça peut, si on le prend au premier degré, c'est effectivement, on peut être complètement figé dans ses bottes et se dire ça y est, le monde est terminé. Je vous conseille de lire ça parce que j'ai posé quelques conseils de bon sens et je vous ai partagé aussi quelques anecdotes croustillantes sur ce monde côté éditeur aussi. Des fois, ça paye. Donc, il faut savoir décoder et prendre du recul aussi par rapport à toutes ces solutions et être très, très, très pragmatique. Et si vous avez une solution qui n'est pas la meilleure, mais qu'elle marche, regardez-la. Voilà, donc ça, il y a des petits conseils comme ça qui sont très, très simples. Dans ma carrière, j'ai toujours vu quelqu'un qui venait me voir en me disant, mais tu as choisi ça, mais tu aurais dû choisir ça. Ben, oui, c'est sûr, et ça marche. Ah oui, mais ça, c'est mieux. Oui, d'accord. Mais il y en a plein, en fait, qui sont mieux, mais ça dépend, en fait. Ça dépend de quel est mon besoin, ça dépend comment je l'ai mis en œuvre, et ça dépend comment je vais pouvoir la faire évoluer. Donc, merci Antoine de nous avoir mis un lien et nous a rédigé un résumé du bouquin sur le blueprint, là sur le SaaS Sales Organization. Donc vous pouvez le télécharger. Alors, question suivante pour Ludovic qui nous écoute sur Facebook en direct du Havre. Donc, la zone verte, lui, il a plus de chances que nous. C'est un point hyper fréquent. Comment c'est pas objectivé sur la qualité, on se rabat vers des indicateurs quantitatifs, des vanity metrics. J'ai fait 40 rendez-vous, j'ai appelé 70 personnes en une semaine, j'ai un SSI de 80. Et quel est le niveau de conversion? Alors, je vais répondre à ça parce que, j'ai officié, moi, comme commercial, j'étais pas bien bon d'ailleurs. Donc, je peux parler d'expérience parce que je me suis un peu amélioré parce que justement, on m'a mis des coups de pied aux fesses en me disant d'aller voir des clients. Et je vais nuancer un peu ce que tu dis, Ludovic. Effectivement, le critère quantitatif n'a pas d'importance. Aller voir 10 clients par jour, dans un sens, ben, ça a pas grand sens. Mais en même temps, ne pas aller en voir non plus, ça n'a pas grand sens. Et donc, du coup, moi, je me souviens de cette période où j'avais un peu de mal à sortir de mon bureau, où j'avais un directeur des ventes qui tapait dans le bureau tous les lundis midi en disant, allez sur le terrain, les gars, c'est rien à faire ici. Et qui nous disait, allez voir 10 personnes par jour. On ne sait jamais, il en sortira toujours quelque chose. Et je me souviens m'être forcé justement à aller voir des fois des clients de façon inopinée, parce que c'était un peu stupide d'avoir cet objectif de 10 à visiter par jour, mais quelque part, ben, c'était toujours 5 minutes de passer devant un client, c'était toujours mieux que 5 minutes passées dans ma voiture. Et du coup, il faut se méfier de ça, parce que l'objectif quantitatif n'est pas forcément idiot. Et s'il est bien géré, il peut être aussi un élément de discipline et surtout de faire quelque chose, à mon avis, qui est important de redécouvrir sur le terrain et qui a été un travers peut-être de la démarche, la mauvaise démarche social selling, donc pas celle que professe notre ami Loïc. C'est qu'il y a beaucoup qui sont restés derrière l'ordinateur en faisant clic-clic et en pensant que ça suffisait pour aller voir des clients. Mais non, le but du social selling, c'est d'aller voir des clients.
Et donc, le digital, il doit être un lien pour aller voir ses clients. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien envisager des méthodes digitales qui permettent de voir des clients. Moi, je ne me déplace pas beaucoup, alors surtout en ce moment, ce qui ne m'empêche pas de voir des clients, mais je les vois au travers du digital. Mmh. Alors, j'espère que c'est clair et que ce n'est pas trop caricatural, mais moi, j'ai trouvé du bénéfice dans ces objectifs. Je peux apporter juste un commentaire rapide. Moi, je pense que pour répondre à cette question, tout dépend du cycle de vente dans lequel on est. C'est-à-dire, dans le B2B, puisqu'on parle beaucoup du B2B, j'imagine que la question est sur le B2B. Si on s'adresse au client final, la quantité, enfin, voilà, si on est sur un cycle de vente qui dure un an, sur des produits qu'on garde 10 ans ou qu'on garde 5 ans dans l'industrie ou dans le logiciel ou peu importe, faire énormément de quantitatifs, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une chance énorme pour tomber sur une période comme ça, sur le moment où la personne va avoir envie ou avoir besoin du produit ou service qu'on met. Donc, tout dépend du cycle de vente. Par contre, si on vend de manière directe ou indirecte, c'est un autre point. Effectivement, le quantitatif, si on a par exemple un réseau de revendeurs ou de fournisseurs ou de dealers en fonction des secteurs dans lesquels on a, bah, au plus on a des discussions de qualité, donc le quantitatif, comme tu disais, est quand même quelque chose qu'il faut avoir suffisamment de discussions qualifiées pour pouvoir faire du business. C'est ça. Mais par contre, pour le client final, dans le B2B, gros cycle de vente, si vous vendez des ascenseurs industriels à 3 millions d'euros, je ne suis pas sûr que de faire 100 rendez-vous par jour ou par semaine va forcément aider beaucoup. Donc, il faut s'allier au digital, qualifier les intérêts, faire du contenu, tout ce qu'on a discuté auparavant. Absolument. Oui. Effectivement, je précise que mon expérience antérieure dans la vente était dans le B2B, bien entendu, mais sur de l'électroménager. Donc, c'est pas de la vente… C'est pas de la vente complexe. Enfin, si, c'est de la vente complexe, mais c'est de la vente sur des gros volumes et c'est une vente assez rapide avec des temps de closing très courts, ouais. De l'ordre de la semaine ou des 15 jours. Michael, d'ailleurs, pose une question à ce sujet. A-t-on idée de la charge que représente la prospection pour conclure une vente ? Alors, est-ce qu'une étude a été faite pour ça ? Oui, enfin, donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, tous les vendeurs qui ont vendu suffisamment, en général, savent à peu près au bout de combien de temps ils vont closer. Alors, une étude, je ne sais pas. En tout cas, il y a un livre blanc qu'on a écrit avec Evolena il n'y a pas très longtemps et qui a été publié par Madines. Je vais vous mettre le lien, vizenktg.info/scale, et c'est un point qui est soulevé par Franck Lacombe et Laurent Chiosotto dans le bouquin sur justement l'industrialisation de la vente. C'est qu'en général, à partir du moment où on connaît son cycle de vente, eh bien, on peut aller plus loin. Et si on ne le connaît pas, alors est-ce qu'il y a une étude? C'est une bonne remarque, Michael. Je vais chercher ça, je ne sais pas. Question de Jordan, pourquoi et comment l'ABM prend-il le pas sur l'inbound? Alors, peut-être que je peux répondre à ça. Alors, pourquoi et comment? Alors, pourquoi? Pourquoi, c'est très simple. Encore une fois, je répète, il y a B2B et B2B. Plus on va monter dans le haut de gamme et dans la vente complexe, et moins l'inbound va avoir un intérêt. Pourquoi? C'est tout à fait simple. Dans l'inbound et notamment dans le marketing automation, on va faire rentrer les gens dans un scénario et au fur et à mesure dans un sales funnel, comme on dit en anglais, dans un entonnoir de vente. C'est pas un tunnel de vente, c'est un entonnoir de vente, et qui est en fait une méthode d'ailleurs qui est très ancienne. Je sais pas si vous le savez, mais l'entonnoir de vente, le sales funnel, c'est Sint Elbow Lewis. C'est le premier publicitaire qui a existé aux États-Unis. Hein. C'est 1870, un truc dans le genre. Sint Elbow Lewis, 1865 ou 1870, l'entonnoir du vent. D'ailleurs, au début, ce n'était pas un entonnoir, c'était des seaux, des sales buckets, il appelait ça. Donc, c'est une méthode qui est très, très ancienne et très mécaniste.
On a des gens, en même temps, elle est très simple parce qu'on a beaucoup de gens à l'entrée, donc on crée un gros flux. Et puis au fur et à mesure, j'en viens à la question de Ludovic, et on fait du quantitatif. Et au bout d'un moment, poum, 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 on arrive à un nombre de gens un petit peu plus précis qui achètent. Sauf que dans la vente complexe, ben, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, un, il n'y a pas une personne qui achète. Je l'ai dit, dans les ventes les plus complexes, hein, celles que j'ai vues, les plus complexes auxquelles j'ai participé, 1 milliard d'euros. Des équipes de vente entre 50 et 100 personnes, des acheteurs entre 150 et 200 personnes sur plusieurs pays, sur plusieurs continents. Donc, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un type qui va vous remplir un formulaire pour dire je voudrais acheter votre solution d'outsourcing à 1 milliard d'euros. Là, ça n'existe pas. Même à partir d'un panier d'achat qui va être au-delà de 1 000 ou 2 000 euros, annuel, bah ça va devenir très très difficile de faire de la performance en B2B. Très difficile. Donc forcément, ces méthodes d'inbound quantitative, elles ne sont pas applicables. Alors, pas applicables, c'est peut-être un peu exagéré aussi parce que elles sont applicables d'une certaine manière, mais elles ne vont pas donner un résultat garanti et statistique tel que vous l'auriez sur un marché de masse B2B ou un marché de masse B2C encore plus, parce que vous allez avoir de très très gros flux qui vont vous permettre ensuite de concrétiser vos entonnoirs de vente. Donc voilà pourquoi l'ABM prend le pas sur l'inbound, pour plein de raisons. D'abord, Bertrand l'a expliqué, parce que c'est le marketing qui prend le pas aussi sur la vente, et qu'à partir d'un certain moment, eh bien, on finit par avoir le marketing qui essaye de vendre et le vendeur qui essaye de faire du marketing avec du social selling, et ça n'a plus aucun sens. Et donc, il faut aussi rassembler ces deux populations pour que le marketing soit plus proche de la vente et que le vendeur soit aussi s'appuie plus efficacement sur ses équipes marketing. Alors, du coup, c'est passionnant, il y a plein de questions, mais on est en train de dépasser un peu l'heure. Alors, si vous êtes d'accord, on peut continuer un peu. On a perdu quelques personnes, mais c'est normal. Je vais quand même continuer à répondre aux questions, et puis peut-être qu'il y a de la place, peut-être qu'on peut garder ces questions d'ailleurs supplémentaires pour un prochain webinaire. Alors, Loïc, justement, nous dit, c'est plus une remarque, il dit qu'il faut positionner le vendeur dès le début du parcours d'apprentissage d'achat et non pas attendre que le prospect soit déjà à l'achat. Je pense qu'il faut un travail en équipe entre vente et marketing. On se rejoint, j'étais arrivé à la même conclusion, effectivement. J'ai publié avec Touch and Sell un livre blanc sur ce sujet-là, autour de la collaboration entre vente et marketing. J'essaierai de retrouver le lien pour le mettre. Peut-être dernière question pour la route, c'est quoi un bon contenu? Ah, c'est la question à 300 000 dollars. Doit-on faire du contenu qualitatif ou miser sur le quantitatif? Il y a différents types de contenu en fonction, encore une fois, de où on est dans le funnel, dans le sales funnel. Il y a le top of funnel content, il y a le middle of funnel content, donc tout dépend. Je pense que c'est un contenu aujourd'hui qui est court, qui est to the point, qui va vraiment au bon interlocuteur. Et encore une fois, parce que, et tu posais la question, et on en reparlera certainement, mais qu'est-ce qu'une expérience digitale? Ben, c'est le bon contenu. Une expérience digitale, c'est une interaction entre un utilisateur, donc unique, et un contenu. Donc, le bon contenu, c'est celui qui est capable de connecter à l'audience à l'audience qu'on target et dans la phase du funnel dans laquelle on est. Donc, on n'écrit pas le même contenu si on cherche à capturer un intérêt du type j'évalue des solutions, j'évalue des services, je suis pas encore très clair sur le besoin que j'ai. Ou alors, est-ce que je suis plus tard dans mon cycle de décision? Donc là, il faut un contenu qui est un peu plus percutant et un peu plus précis sur le type d'offre. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'un bon contenu, il est associé où on est dans le cycle de décision de l'audience. Et puis, il reste court. Et parce que voilà, des très, très, très longs contenus aujourd'hui, on le fait sous forme de livre blanc ou de PDF ou de rapport, etc. Mais avec la myriade de contenus qui existent, on n'a pas le temps de. Il faut aller to the point, quoi. Alors,
Je vais un peu te contredire, désolé. Il y a eu un rapport, il y a eu un rapport très intéressant de Semrush. Si j'arrive à me reconnecter à Evernote, je vous l'envoie, qui a justement indiqué les contenus qui marchaient le mieux. Alors, ils l'ont indiqué avec des statistiques. C'est très intéressant parce que, du coup, en dehors du j'aime bien les contenus courts, j'aime bien les contenus longs, il faut faire du snack content, il faut faire du snackable content, ou je ne sais pas. Finalement, on ne sait pas. On sait pas. Mais eux, Semrush, ils ont mesuré. Ils ont mesuré les contenus qui apportaient le plus d'engagement. Et c'est très contre-intuitif, en fait. Les contenus qui portent le plus d'engagement sont les contenus au-delà de 3000 mots. Je ne sais pas si vous imaginez. 3000 mots, c'est énorme. Moi, je le vois systématiquement sur les articles chez Visionary Marketing. On est assez spécialisé dans les contenus très, très longs. On aime bien ça. On appelle ça le long form blogging. Et du coup, ça crée une forme d'engagement avec les lecteurs qui savent qu'ils vont trouver qu'il y a de la viande. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire des bons contenus qui sont courts. Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile d'écrire des contenus courts qui soient bons. La vraie question, je pense que c'est une question qu'il faudrait recycler, celle-là, parce que c'est une vraie bonne question. Qu'est-ce qu'un bon contenu? Je pense qu'un bon contenu, c'est un contenu qui apporte une valeur ajoutée à son lecteur. Voilà. Et ça, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de mesure absolue pour ça. Mais donc, du coup, je ne suis pas complètement convaincu que ce soit une question de taille. Si le contenu est bon et qu'il faut beaucoup de recherche pour le faire, on est, comme j'ai dit, on peut spécialiser là-dedans. C'est aussi notre signature. Et le fait que ce soit une signature fait aussi que, bah, du coup, ça sort du lot. Parce que quand on voit un livre blanc qui est assez épais, sur lequel il y a eu beaucoup de travail, bah, peut-être qu'on est aussi. Il y a une déception qui est moins grosse que quand on lit un livre blanc qui est très très court et on dit ah oui, c'est intéressant, ça soulève quelques bons points, mais quid derrière? Je pense que il y a beaucoup de je pense que c'est une question qui mérite qu'on s'y penche parce que la question elle n'est pas simple, elle n'est pas simple et elle est certainement pas. Après, moi je reste persuadé, hein, puis après, on peut avoir des avis différents là-dessus, mais je reste persuadé qu'au plus tu es dans le funnel, au plus tu as un engagement déjà créé, et d'ailleurs, c'est peut-être pas contradictoire avec l'étude que tu présentes, si l'engagement est déjà créé, effectivement, l'audience va pouvoir lire davantage, se creuser davantage, parler du commercial qui lui aussi doit se plonger davantage dans de la valeur ajoutée. Voilà, les contenus les peut-être plus longs, plus précis, ben, ils apparaissent plus tard. Je pense qu'en haut de funnel, on peut pas être d'accord, mais en haut de funnel, on a souvent, dans la majorité des cas, pas le temps de convaincre le lecteur avec des contenus qui sont forcément trop longs. En tout cas, l'entreprise B2B elle-même, il peut avoir des acteurs qui font des comparatifs, qui font ce genre de choses où là, les gens vont peut-être se plonger sur des évaluations un petit peu plus longues. Mais c'est intéressant, effectivement. Est-ce que c'est lié au moment du funnel? Est-ce que c'est plus en fonction des audiences, en fonction des marchés? Je pense qu'on avait fait un travail intéressant pour vous, d'ailleurs, il y a 2 ans, sur la segmentation des contenus pour le e-commerce. Mais je pense qu'on pourrait faire également la même chose pour quelque chose de plus large. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un bon type de contenu. Ça dépend, effectivement, si je veux rentrer dans une logique inbound, où là, justement, j'ai un funnel. Effectivement, l'objectif n'est pas forcément le même. Si je veux, par exemple, fournir un contenu simple et utile autour d'un guide d'utilisation, je ne vais pas forcément écrire un article de 3000 mots. Ce n'est pas l'objectif. Je vais plutôt avoir une approche sur guide d'usage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très simple, avec un format. D'ailleurs, quand on écrit un guide d'usage et quand on écrit un livre blanc, les méthodologies sont inversées. Dans le livre blanc, on part d'un texte et on le structure, et dans un guide d'utilisation, on part d'une structure et on écrit un texte. C'est inverse. Et je pense que le contenu, il doit être, encore une fois, parler d'expérience, le bon contenu au bon utilisateur, dans le bon contexte, dans le bon canal. Et en fonction de ces trois paramètres,
le contenu, il doit pouvoir s'adapter. Nous, on travaille beaucoup dans les médias. Je parlais d'Economist ou du Financial Times. Ils ont un contenu, un grand contenu, qu'ils sont capables, parce qu'il est structuré, de dire sur tel canal, dans tel contexte, je ne vais pas reprendre la globalité du contenu. Je vais reprendre trois fragments et je vais le montrer dans ce contexte mobile ou dans mon application iPad ou quoi que ce soit. Je vais le montrer sous une forme différente parce que le contexte et le mindset de mon utilisateur qui est intéressé par ce contenu, il est différent. Donc, c'est pour ça que c'est pas l'équation, elle n'est pas simple parce que ce n'est pas juste un utilisateur qui va lire un contenu, il y a aussi le contexte, où il est dans son cycle de décision et sur quel canal il interagit avec ce contenu. Mais ça, c'est passionnant, hein. C'est notre métier depuis 20 ans et structurer le contenu, en tout cas, et comprendre son audience, et ça permet de créer des expériences uniques en fonction du contexte. Alors, Françoise me fait remarquer, on va conclure là-dessus peut-être parce qu'on a un peu débordé de l'horaire, les contenus longs sont bons pour le SEO. Oui, ça va de soi. Oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux pour le SEO. Et donc, du coup, effectivement, on peut peut-être apporter une nuance effectivement sur cet aspect taille du contenu. Mais est-ce que on pourrait revenir sur ce rapport à SEMrush qui est très intéressant parce qu'il est, il est très détaillé, il donne beaucoup beaucoup de chiffres qui sont très inspirants pour bien réaliser sa stratégie de contenu. Voilà, merci Bertrand. Je pense qu'on va libérer nos amis qui ont eu la gentillesse de rester très nombreux jusqu'au bout, même malgré notre débordement sur le temps. Et merci à toutes et à tous. Il y a encore quelques questions qui restent. Je pense qu'on va s'en inspirer. Peut-être que je vais profiter encore de votre présence pour lancer mon questionnaire et puis demander aussi à Isabelle de nous mettre le lien pour le livre blanc. De toute façon, on vous le renverra par le mail. Comme ça, vous pourrez le télécharger facilement. Merci à tous et à toutes. Voilà, vous pouvez. Isabelle nous a remis le lien vers le livre blanc. C'est visnktg.info/ibexadxp, tout bêtement, ibexadxp. Ah, merci pour vos réponses, très sympa. Ça, c'est bien nous servir pour la suite. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on a évoqués ici et qui ont eu une résonance intéressante et beaucoup de questions intéressantes. Merci à tous. Bonne journée et bonne chance. Et puis, bon retour à la vie normale, on espère, le plus vite possible. Merci à tous. Au revoir.